Le Liberia n'est plus, mon oncle Ostergaard ne viendra pas te sauver. Et tu n'as plus de cartes à jouer. Pour le bien de notre peuple, mets un terme à cette folie. Ordonne à tes troupes de se rendre. Notre peuple, c'est toujours de lui dont il s'agit, vous savez. Si vous m'aviez écouté, jamais je n'aurais eu besoin de vous voler le trône. Je n'ai pas pris le pouvoir par envie, je l'ai pris pour le bien-être de la Bordure, pour sa prospérité, pour sa gloire. Et pourtant, tu as voulu accéder à cette gloire au détriment de notre peuple. Cette chose que tu as créée ne nous ressemble pas. Ton directoire est en ruine, mon oncle. Ce n'est pas en t'y agrippant que tu aideras la Bordure. On ne peut rien faire pour la Bordure. Cette guerre nous coûtera tous la vie. Le royaume saigne, Caméa. Nous n'avons jamais été aussi faibles. Et bientôt, les requins viendront se disputer nos cadavres. Non, mais on parle juste de la situation du système ici et maintenant. On s'en fout de l'avenir. Petit conseil avisé de la part d'un mercenaire. En vérité, mon oncle. Il ne vous reste plus qu'une seule décision à prendre. Acceptez-vous de capituler pour la survie de vos soldats ou les condamnerez-vous au nom de votre orgueil? Comme je l'ai dit, ma nièce, il n'a jamais été question de moi. Corodomir est à vous. Non, père, tu ne peux pas faire ça. La Bordure dépend du directoire pour survivre. Au nom de la gloire, tu me l'as dit toi-même. Nous, si nous échouons, c'est tout le royaume qui s'effondre. Le directoire s'est déjà effondré, Victoria. Nous avons perdu. Ce serait gâcher nos vies que de continuer. Des vies, des vies. J'ai tué 11 000 personnes sur vos ordres, sur perdition. Et maintenant, vous avez peur de vous salir les mains? Mais vous avez des milliers de morts sur la conscience, père. Je vous ai obéi parce que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen. En effet, mais notre tentative a échoué. C'est la fin, Victoria. Je sais que tu as du mal à l'accepter, mais tu dois l'admettre. Non, père. Tu ne peux pas. Tu es peut-être devenu lâche. Mais je suis un mec warrior, plutôt mourir que d'accepter la défaite. Vous voulez ce monde, Kamea? Venez vous battre contre moi, votre escouade contre la mienne, sur les lieux du tournoi, ce défi qu'on nous a refusé, vous et moi, en combat à mort pour la bordure. Tu n'as pas assez de morts sur la conscience, chère cousine. Le massacre de perdition ne t'a donc pas suffi. Je l'ai fait pour la bordure, pour notre peuple. C'est ma responsabilité, je n'avais pas le choix, mais vous pourrez jamais le comprendre. Donc, je vais rendre les choses plus faciles. Vous n'avez pas besoin de comprendre les raisons de mes actes. Vous n'avez qu'à m'affronter dans l'arène, où je vous vaincrai comme toujours, comme on m'a entraîné pour le faire. Vous me donnerez ce que je veux, ou votre cher Alexander en paiera le prix. Mon père était trop faible pour le tuer, mais pas moi. Relevez mon défi, acceptez, ou j'aurai de l'air bouilli. J'ai presque pitié de toi, j'accepte ton défi, Victoria, et ton sang sera le dernier à couler dans cette guerre. Préparez vos mech warriors Akatsuki. Quand je serai face à ma cousine dans l'arène, je veux que votre société soit à mes côtés. Je me vois pour la maison Arano depuis mes 16 ans. Très bien, c'est un honneur de combattre à vos côtés. Que votre escouade me rejoigne au lieu du tournoi. J'ai le temps de réparer mes mecs ou pas? Ah! Ah! C'est dégueulasse! Ouais, bah toi tu vas rentrer. Heureusement qu'on avait pris des mecs costauds quand même. Battle Master qui n'est pas cassé, le Warhammer n'est pas cassé, le Rifleman n'est pas cassé. Ça m'ennuie ça, parce qu'on ne peut pas. Ouais, bah écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Cet épisode sera beaucoup plus long, mais ce n'est pas grave, c'est le dernier épisode. Victoria a l'ordre Maedera et elle ne baissera pas les armes. Ce qu'elle a fait sur Perdition l'a brisé. On va mettre fin à tout ça, de la même façon que cela a commencé, avec un duel. Je vais affronter ma cousine sur les lieux du tournoi d'Arano. Et le combat ne prendra fin que lorsque l'un d'entre nous sera mort. Récupérer l'ordre d'Alexander Maedera. Lady Kamea Arano doit survivre, affronter Lady Espinosa en duel à mort. Ah, ça me tue ça, on peut pas réparer nos mecs, on peut pas. Ah, je suis déçu, je suis déçu. Victoria, vous devez m'écouter. Le directoire a perdu, nos armées sont en déroute. Au moment où je vous parle, les forces de la Restauration se rapprochent de Cordia City. Si vous tuez votre cousine, la bordure entière tombera dans l'anarchie. Et si Kamea gagne, la bordure sera condamnée. De toute façon, c'est ce que vous m'avez dit pendant des années. Tout n'était donc que mensonge. Victoria, ce n'est pas le moment d'entrer dans les débats. Vous allez m'écouter et m'obéir comme vous l'avez toujours fait. Je vous ordonne de capituler pour le bien de la bordure. Le directoire et la bordure, père.
Je ne cesserai jamais de combattre en son nom. Restez ici avec votre lâcheté, je remporterai cette guerre. » Elle a coupé la transmission, il va falloir s'occuper d'elle. Si tel est son choix, alors qu'il en soit ainsi, je ferai tout ce qu'il y est en mon pouvoir pour sauver Lord Medeira avec moi, McWarrior. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que notre personnage, ils auraient pu faire un truc spécial de on s'en fout, tout est réparé et votre personnage il est soigné instantanément. C'est quasiment impossible de finir la mission précédente sans prendre de dégâts et sans être blessé. Déçu, très très déçu de ne pas pouvoir faire le combat final avec mon personnage principal. Parce que le jeu en a décidé ainsi. Ils sont 4 également. Très bien. Certainement des mecs d'assaut ou des mecs lourds. On a un quoi? Un King Crab. Ok. Vous en avez mis du temps, Kamea. Je commençais à me demander si vous étiez pas enfui. Je suis venu ici pour te victorier à la justice de mes oranions, ma compagne. Quelle poésie. Vous trouverez pas ici de justice, Kamea. Pas de belles paroles. Il n'y a que la souffrance, la mort et l'humiliation. Libère-le, Victoria. Arrête de gaspiller votre salive. Nous attendons ça depuis longtemps. Ok. Donc il y a deux lourds et deux d'assaut. Ok, ça commence. Ils ont l'avantage. Ils tirent en premier, hein. Ah oui. Ok, les deux jouent. Ah non, c'est un pilote d'élite. Très bien. Je croyais que les deux, ils allaient jouer avant moi. Je veux dire, ok, merci le jeu. Victoria, c'est le King Crab. Alors, il est équipé de quoi? AC20++, lance-flamme, missile impulsion. AC20, d'accord, il y a 2 AC20, 4 lance-flammes, très bien. Et ben, très bien. Donc, il faut viser le Jaeger mec, je pense. Ou alors, je me mets comme ça et je commence à tirer sur elle. Feu. Oh là 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 là. Comme par hasard, tout touche, hein. Tout touche, tout touche. Toutes ces armes ont touché. Absolument toutes. N'importe quoi, n'importe quoi. Je suis déçu. Là je peux pas prendre mes gros, je peux pas prendre le Highlander par exemple parce que le jeu en a décidé ainsi. C'est un peu je suis un peu chafouin, dirons-nous. Ok. Mais par contre on doit éliminer toutes les squads, hein. Il n'y a pas de question de on doit éliminer que Victoria ou quoi. Mais regarde, voilà, coup dévastateur, ça y est, ils font des coups spéciaux là, en mode du gros calibre, on sait pas ce que c'est, elle a plein de bonus. Elle a chauffé un peu ou pas? Un tout petit peu. Bah écoute, Médusa, tu vas t'approcher, hein. Parce qu'il n'y a pas trop le choix. Au moins, elle est plus à couvert, là. On n'a pas grand-chose de le toucher, hein. Écoute. Au moins, lui, il prend cher. C'est déjà pas mal. Le Warhammer, il va déjà sauter, quoi. Ok. Alors, la classe. Et ça va, au niveau des armes, t'en veux un peu plus, non? Il a chauffé, au moins. Là, il est boui. Ok. Non, mais oui. C'est pas grave.
Je comprends, hein, le fait que l'ordinateur ait des bonus. Bref. Franchement, je crois que je vais faire un tir multiple sur... Non. Faire un tir multiple sur lui et sur lui. Pour commencer à le laminer. Voilà. Ok, lui... Ok. Bon, c'est le boss de fin. Ok. Et bah, le Warhammer. Ok. Le Warhammer, on va devoir se déplacer. Donc à faire, il va rester dans l'eau, hein. Puis il va tirer sur le Jägermeister, je pense. Pourquoi j'ai que 40% de chance de le toucher? Pourquoi j'ai des chances de toucher merdique? Pourquoi j'ai des chances de toucher merdique? Effet des ennemis. Ok. Bah, il nous empêche de leur tirer dessus. Très bien. Non, mais oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci le jeu. Ok. Oui, il se déplace. Ok, Jester. Bah Jester, tu vas rester dans la forêt, hein. Là-bas dans ta forêt. Kamea doit survivre, hein, en plus. Ça m'a l'air mal barré. 95. Bah écoute, si tu pouvais te détruire lui, ça m'arrangerait. Yes. On aurait pu économiser un tir, mais c'est pas grave. Un tir de laser lourd. C'est pas non plus ça qui est déterminant. Ouah, ce lance-flamme qui tire à 400 km! Plasma surchauffé. Hein? Ah, c'est lance-flamme qui tire à 2000 mètres là. Ah, tu peux aller au corps à corps. Combien d'armure? 170 par partie. Ok. Si je vais taper lui, ça donne quoi? 110, donc on exposerait juste la structure en fait. Ici j'aurais qu'un. Ici j'ai 3. Ça paraît bien de venir là en fait. Oui, bah ça c'est sûr. Allez, feu. Très bien. Alors. Warhammer, il va prendre cher. Hein. Mais bon, pour le moment, on est à 1-0. Mais bon, il va continuer à tirer parce qu'il a 12 000 armes. Ok. Presque pas subi de dégâts d'armure. Lui. Et lui, on lui a pas encore tiré dessus. Hein. Et lui. Lui, quasiment pas non plus. Va faire un tir multiple. Elle va tirer avec son arme de tir indirect sur le somme. Et le reste sur. Voilà. Et le reste sur le cataphracte, je pense. Feu. On va commencer, il faut le diminuer un peu, donc voilà. Structure exposée, très bien. Alors je sais pas si c'est sur le cataphracte ou si c'est le tir perdu sur sur ma cousine entre guillemets.
Ok, il tire sur l'Atlas. Oui. Écoute, c'est ainsi, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre. C'est la guerre, c'est ta cousine qui a voulu ça. Hein. C'est pas moi. Alors, est-ce qu'on a moyen? Donc c'est lequel qui a été. D'accord, c'est lui qui a subi. Ok. Lui, il a rien subi. On va tout concentrer sur lui. Allez, feu. Ok. Bon. Son armure, elle prend un peu cher, mais pas assez à mon goût. Tu vas te retourner. T'as pris cher, hein, le Warhammer. On est toujours à 1-0 pour le moment. Ok, je comprends pas pourquoi il a des chances de toucher aussi pourri. Bien. Ça, par contre, c'est bien. Voilà, tir perdu sur elle. Ça me plaît. Parce que pendant ce temps-là, elle prend du dégât. Ouf. Bon, voilà. Ça fait 1-1. Oui, mais là, il a complètement explosé. Pauvre petit. Pauvre petit. Si je viens là, non. Si je viens là, par contre. Ah, je peux aller là. Écoute. Je vais dans son dos. Pour lui taper dessus. Voilà. Ça a presque rien fait, mais au moins, nous on s'est bien refroidi pendant ce temps-là. Aïe. Ok. Kamea, tu vas te replier. Bon, tu te replies pas de grand-chose, mais tu te replies un petit peu quand même. Full weapon. Ouais, je pense full weapon sur elle, hein. Tu vas même faire une frappe chirurgicale. Attends, sur qui tu tires là? Hop, chirurgical sur. Ah, merci. Allez. Vous êtes tout autant victime que meurtrière, Victoria. Votre père vous a appris à tuer en son nom. Vous êtes ridicule à cause de votre père. Vous imaginez des contes de fées ridicules. Je vais croire maintenant. Je sais ce que je dois croire, mais il faut mettre un terme à cette folie. Vous ne me faites pas, je m'en chargerai. Aïe. 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 Ok. Bon, le cataphracte continue à s'échapper. Alors, elle a pris cher un peu? Un petit peu, mais pas assez à mon goût. Non, c'est à Jester de jouer. Hop là. Je vais te déplacer là. Feu. Bon. On lui fait rien, hein. Elle est solide, hein. Le King Crab continue son avance. Mais il avance pas vite. Ouf, le Rifleman. Structure exposée. Ok. Est-ce que je ferais un peu plus de dégâts à me déplacer ici et à lui tirer dessus avec toutes mes armes? Si, je pense. Et il m'active tout. Hein. Là, il faut envoyer du pâté, il faut envoyer du steak, comme on dit. Tu sais quoi? Hop. Feu. Voilà, structure exposée.
Ouf. Armor breach. Internal damage. Ouais, bah elle aussi, elle a les... de l'armure breached. Cet épisode va être très très long. Alors, on va faire de la frappe chirurgicale et bon, on continue. Allez, crève. Sérieusement, crève. Yes! C'est impossible que le directeur retrouve la gloire que promettait ton père. Je sais, cousine. Père en banni, la bordure n'a rien à venir. Vous n'êtes pas une héroïne, ma cousine, et vous ne le serez jamais. Maintenant, on doit juste faire en sorte qu'elle survive. Ça risque d'être compliqué. Alors... Jester, redémarrer. Ok, il s'était éteint. Je savais même pas qu'on pouvait éteindre les mecs ennemis. Torse droit, bras droit. Il avait quoi comme arme? Je ne savais même pas qu'on pouvait éteindre un mec ennemi. Il est instable déjà? Il avait quoi? Son AC20 et son 1 léger laser, très bien. Lui, il a quoi? Il a encore beaucoup d'armure, et lui? Laisse-moi voir. Ok, caméo. J'espère qu'elle va pas mourir, ça m'embêterait. Encore en faire un. Bien, franchement, je vais pas m'en priver alors. Assez disque ou critique. Ok. Médusa, tu vas venir ici. Voilà. Il n'y a plus que l'Osom. C'est un autre tour de jouer. Très bien. On a pris cher. On a pris très très cher. Il a encore de l'armure sur son torse central. Un petit peu. Frappe chirurgicale sur lui, s'il te plaît. Le torse central. Ok, t'as visé les bras. Ne meurs pas, Kamea. S'il te plaît, reste en vie. C'est pas grave. C'est tout le monde, hein, je pense, là, c'est... Oui, oui, oui. Je pense que là, c'est tout le monde qui perd énormément de PV. Je peux pas activer. Hein. Il y a un feu. Ok. Kamea, tu vas continuer à avancer vers lui. Et tu vas tirer avec toutes tes armes. Ok, il reste plus qu'un à détruire. Allez, feu. Ok, bras droit, torse droit détruit, donc il aura déjà moins d'armes. Déjà pas mal. Alors, il a perdu un jet laser, ok. Hop là, tu vas venir face à lui. On va voir ce qu'on peut essayer aussi de lui détruire. Ok, alors.
Ah, mais il commence à prendre cher son torse central. Alors, tu vas tirer dans le torse central. Elle va survivre. Oui. Bah lui, tu peux le détruire. C'est pas grave. Jester, tu peux mourir. C'est pas grave. Ok. Médusa. Tu vas avancer. Feu. De toutes les armes. Yes! 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 Yes, mission réussie. Fin du jeu, j'espère que ça y est, c'est fini. Normalement, c'est fini. Je pense que c'est la fin ultime. Nous aurons tué tout le monde. Et c'est beau. 4 millions. Très bien. Suivant. Oui, bon alors là... On est tout cassé de partout. Oui, bah tu sais quoi, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Et voilà. Un MLP15 plus des jets laser, très bien. Continuons. Mais je pense que c'est la fin du jeu. Oui. Et donc nous nous arrêterons là, parce que si nous avons la fin du jeu, nous avons la fin du jeu. Et oui. Très long épisode, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas. I began this restoration because my birthright was stolen, and I wanted it back. Not for the people of the Reach, but because it was mine. I wanted war, for all the wrong reasons. But on Weldry, I traded that naivete for nobler purpose. Seeing my people suffering with my own eyes, taught me why I must fight. On Artru, I found humility. Blinded by righteousness, I was reckless in my pursuit of power, and it almost cost us the war. On Guldra, I learned to steel my heart. I chose necessity over conscience, a choice that nearly broke me. Finally, on Coromadir, the world of my birth, I found resolve, and standing over my cousin's broken body, victory. Only through these lessons, paid for in blood, did I become a ruler worthy of title. A High Lady prepared to sit the Cormorant throne, the protector of Coromadir, the sword of restoration. But this question still plagues me. Am I a hero? Did I sacrifice too much at the altar of victory? Do my triumphs outweigh my mistakes? War is a clash between conscience and necessity. An ocean of chaos and bloody compromise. War shapes history. And history chooses its heroes. As for you, mercenary, you made the liberation of the Aurigan Reach a reality. Every trial I faced would have been my last without your skill on the battlefield. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause or just my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. And you know what? It doesn't matter if you believe it, because others do.
as I believed in the heroes of my father's stories. After all, when we are gone, stories are what remain. Et bien voilà la fin du jeu. Ah non, ce jeu, il arrive à me retirer des larmes, quoi. En plus, là, on voit tous les développeurs et tout, toute l'équipe. Non, je ne peux pas tenir, je vais pleurer. Ce jeu est excellent. Oui, je sais, j'ai râlé, et encore râlé. Mais je ne peux pas dire que ce jeu est mauvais, il est trop bien. Il est trop bien, ce jeu. L'histoire, elle est bien. Elle est trop bien, il y a des évolutions dans les personnages, elle est bien écrite, mis à part une mission où on casse un champ de blé et puis ça y est, tout le monde est en mode oui, il faut tout casser maintenant. L'histoire est très bien écrite, assez bien rythmée. Il y a très très peu de missions qui ne sont pas tendues. Il faut toujours courir, etc. Beaucoup d'émotions. Malheureusement, son plus grand défaut, ce serait sa difficulté que je trouve mal gérée. Mais j'adore ce jeu. Voilà, c'est dit, je continuerai à l'aimer. Il est fini. Voilà. Encore une belle fin. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Regardez ça. Ouais, hein. Des journées de développement et jouer à des jeux d'arcade. Les cinématiques. Ah, les cinématiques sont magnifiques. Les musiques toujours très bien choisies. Et ça boit de l'alcool, bravo. Les cinématiques sont très extrêmement jolies. J'adore ce style les images fixes qui se déploient, où il n'y a qu'un seul élément qui bouge. Ça permet une bonne lecture de l'image. Il s'est trompé de série. J'adore les musiques, toujours de très 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 bonnes musiques. C'est excellent. Il y a une paire de stars qui sont passées apparemment, mais on. Vous les reconnaîtrez. Peut-être seront-ils notés, je n'ai pas lu les gens qui sont passés, mais on les reconnaît. Voilà. Je suis assez chafouin. Par contre, la dernière mission, non, on ne nous permet pas. J'ai été blessé, je ne pouvais pas faire la mission, la dernière mission. Ah non. Ah. Très très déçu de cela. Pareil, pas pouvoir utiliser le Highlander m'a énormément chagriné, alors que ils sont instantanément remis en armure. Donc ils auraient pu faire, en plus, c'est la dernière mission, ils auraient pu faire un truc un peu, voilà, c'est la dernière mission, on vous fait un cadeau, voilà. C'est un peu, bon, j'entends que ce n'aurait pas été très, très logique, mais bon, voilà, hein, ça aurait pu être bien, j'aurais bien aimé, j'aurais été heureux. Dernière mission extrêmement difficile, hein. On est passé pas loin de la catastrophe. Kamiya a failli mourir. Ce lance-flamme de malade. Vraiment. Très très puissant. Mais nous avons réussi à les détruire. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de mecs que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas pu contrôler. Ça donne envie de refaire des parties et de voir si on a les mêmes difficultés ou si on a d'autres choses. Ça peut être intéressant, mais je ne les referai pas en let's play, car vous en avez déjà eu un bien assez long de let's play, 62 ou 63 épisodes, je ne sais plus, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 62, dont un qui fait presque 2 heures pour le dernier épisode. Et oui, ça s'est fort, ça s'est enchaîné, je n'ai pas trouvé de moment pour couper. J'aurais pu très bien couper juste avant le combat final pour faire un cliffhanger, mais je ne suis pas aussi méchant. Ou alors je vous fais le truc horrible de vous le couper au montage. Non, je ne serai pas aussi méchant, vous aurez un long épisode. C'est tout. Pour la fin. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, en tout cas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur un autre jeu, évidemment.
que je ne vous spoilerai pas, mais j'ai déjà mon idée. Allez, bye bye. Il y a un épilogue, il y a un épilogue, il y a un épilogue. Amalia, Darius, Sumire, Yang, Farah, grâce à votre courage, votre force et votre sacrifice, la bordure est sauvée. Et j'ai pu reconquérir le trône. Si un seul d'entre vous n'avait pas été là, notre campagne se serait terminée dans une tragédie. Jamais je ne pourrai rembourser ma dette envers vous pour tout ce que vous avez fait pour la bordure. Vous avez toute ma reconnaissance. Sans votre entreprise, je n'aurais pas survécu. Ce n'aurait un immense honneur pour moi de pouvoir vous traiter comme ami. Pareillement, Lord Maedhera, l'argot paraîtrait bien vite sans vous. Si on a marre de la politique, mon équipage, l'amitié n'a jamais fait partie de l'équation. Pour moi, c'est très important qu'on aura Riley, merci. Une nouvelle ère s'ouvre pour la bordure et c'est votre société que je dois. Le directoire est tombé, Victoria est morte et mon oncle est emprisonné. J'imagine qu'il y aura droit à un procès spectacle. J'aimerais bien qu'on m'y invite. Vous avez capturé Spinoza vivant. Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Au début, je voulais le juger moi-même. Mais Alexander a insisté pour procéder autrement. La détention d'un tel homme pose forcément un risque de la bordure et c'est assez fragile comme ça. Ne vous inquiétez pas, il goûtera bientôt à la justice. Admettons que vous ayez piqué ma curiosité, qu'avez-vous fait de lui? Aucune sentence ne sera suffisamment cruelle pour cet homme. C'est probablement le cas, commandant Riley, mais je suis sûr que le protectorat de Calderon fera de son mieux. Le directeur Santiago Espinosa sera jugé dans un tribunal taurien pour avoir supervisé le massacre de Perdition. Les membres du tribunal pour crimes de guerre sont actuellement en train d'être sélectionnés. Les tauriens sont vraiment reconnaissants d'avoir fait ça. C'est sûrement le cas, et c'est la dernière fois que vous entendrez parler du directeur Espinosa. C'est le destin qu'il a choisi. Hélas, le temps nous manque, Akatsuki. Nous avons beaucoup de travail en perspective maintenant que la guerre est finie. Mais il vous reste des questions à me poser avant que nous parlions de votre paiement. Je serais ravi d'y répondre. Avant de parler argent, j'aimerais savoir plus sur l'avenir de la restauration, après tout, ce que nous avons traversé. Nos payes, hein? Il se trouve que j'ai un meilleur sujet de discussion à l'esprit. Non, j'ai pas envie de parler de pognon. Je me posais la même question. Nous sommes très heureux de vous avoir récupéré, que vous ayez récupéré votre trône, mais la bordure est en ruine. Comment comptez-vous rebâtir tout ça? Lentement et très sûrement. Nous ne pouvons pas trop nous étendre, mais nous ne pouvons pas non plus abandonner les systèmes les plus éloignés. Notre objectif à court terme est de sécuriser les fonds et du soutien en dehors de la bordure. La situation économique de l'ancienne coalition d'Auriga n'est pas loin d'être désastreuse et notre infrastructure est en piètre état. Comment pensez-vous obtenir ce soutien? On fait comme on peut, le mariage politique sont indispensables, notre souveraineté est notre plus grande force et je cherche à la renforcer. Le futur s'annonce pas facile, c'est certain, mais nous y survivrons. Commandant Riley, la bordure est célèbre, ne jamais baisser les bras. Et maintenant, Katsuki, parlons paiement de votre entreprise. Vous l'avez bien mérité. Pour le travail excellent que vous avez fourni sur le champ de bataille en dehors de celui-ci, vos dettes sont annulées, comme il est stipulé dans notre accord, mais je pense que nous vous méritez un peu mieux que ça. Dorénavant, l'argot est à vous. Je vous en donne le commandement. Considérez ça comme une prime pour un travail bien fait. Second témoignage de mon estime sera bientôt dans votre hangar à Mec. C'est rare que les clients payent plus que prévu. Je ne vais pas m'en plaindre. Merci Caméra, nous ferons bon usage de vos cadeaux. Sur ce, Akatsuki, j'ai bien peur de devoir retourner régler les problèmes d'État. Notre peuple a besoin de moi. La bordure considérera toujours comme des amis, chacun d'entre vous. Que ton règne sage et juste. Fais-le pour Rajo. Je vais essayer. Je vous le promets, je vais essayer. Adieu, mes amis. Je vous souhaite bonne chance. Bon, on dirait que c'est fini, que nous avons honoré notre contrat avec Lady Arano. L'argot nous appartient et nous sommes libres de nos mouvements. Je n'ai pas cru pouvoir dire ça un jour. On peut faire tout ce qu'on veut. Nous n'avons plus d'obligation envers qui que ce soit. Je dois vous avouer que c'est une sensation assez grisante. Alors, qui veut nous chercher des problèmes à régler? La paix, c'est bien beau, mais ça commence à devenir un peu ennuyeux. Si vous avez des problèmes, vous pouvez compter sur moi. Les problèmes sont notre spécialité après tout, et vous disposez d'assez de battle mech pour faire face à toute situation. Je ne sais pas pour vous, mais je suis d'humeur à gagner quelques. Peu importe. J'accepte le défi. Compris, Amalia. Je prépare une nouvelle fournée de contrats, tous à vos postes. La guerre est à présent terminée et nous n'avons plus aucune dette.
Nous allons aller où nous voulons. Carte stellaire, je dois aller. Ok. On a gagné la classe 2. Très bien. Classe 2 de modèle DHT. Très bien. Le Younger Mech modèle S. Eh oui. Châssis de Cataphract. Préparation de Battle Mech requise. Formation requise. Écoute, on va mettre le crabe. Voilà. Envoyé au stockage. Très bien. Le centurion. Death a péri. Bien voilà. Voilà. C'est la fin. On va quand même réparer. Hein. Je vais tout réparer. Voilà. C'est la fin. C'est fini. Le jeu est fini. Et c'était l'AC5++ qui était détruit. Eh bien. Je suis chafouin. Alors, AC5 normal alors. Voilà. Confirmé. Voilà. On va quand même tout réparer hein, avant de. Oh là là là. Il est tout défoncé. Il a plus rien quoi. Ah là 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 là. Le pauvre petit. Voilà. Alors, on avait un dissipateur thermique ici. Voilà. On avait un M-laser. Alors, laser. M-laser, plus, très bien. Ici. On avait quoi? Un MCP et un CPP. Alors, CPP ici. Un MCP. Plus, qu'on va mettre là. Et on avait des dissipateurs thermiques. Alors, équipement, dissipateur thermique. Un ici. Hop là. Un ici. Hop là. Voilà. Ensuite, on avait lui à réparer, le Battle Master. Et le Highlander à réparer uniquement. Très bien. Et ben voilà. C'est la fin d'une histoire. D'une histoire. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouvera pour de nouvelles aventures, comme je vous l'ai dit. Allez, bye bye.